Salam alaikum Mazoul Villaouen, bonjour. Il y a quelques mois seulement, il aurait été tout à fait inimaginable, inenvisageable, voire même d'une grande ingénuité, que de penser que quelques personnalités ou quelques forces, que ce soit en Algérie, puissent déboulonner le DRS, voire même le désintégrer de la façon avec laquelle cela s'est finalement accompli. Le DRS était une pieuvre qui détenait de façon très subtile, mais omniprésente, la réalité et la quasi-totalité du pouvoir, puisqu'elle avait, pour rester simple, le dernier mot sur toute nomination et limogeage de tous les postes importants du pays. Tous ceux nommés par décret, et même d'autres qui peuvent sembler subalternes, mais dont les attributions se trouvaient à des phases importantes de la gestion de la rente, notamment. Mais pas seulement. Ainsi, juste pour l'exemple, personne ne pouvait être nommé aux postes enviables des ambassades, des consulats et autres délégations à l'étranger, des banques, jusqu'à leurs succursales, des différentes institutions, entre guillemets, du pays, des postes importants de son Sonatrach et d'autres pompes à fric si le DRS ne donnait pas son feu vert. Mais la puissance de la maison de l'ogre, d'Arl Ghul, comme l'appellent les Algériens, ne s'arrêtait pas là. Même si les généraux du DRS n'étaient pas seuls dans la prise de décision, ils en étaient les principaux acteurs. Il décidait de tout, en fait, depuis la désignation du président élu, élu entre guillemets, jusqu'à celle des députés et des sénateurs qui devaient faire partie des chambres d'enregistrement que sont l'APN et le Conseil de la Nation, le Sénat, autrement dit. Et jusqu'au cœur de l'armée, depuis les chefs les plus importants du haut commandement, des régions, des différentes armes, des unités de combat, jusqu'au commandant des plus petites casernes, un officier du DRS était présent aux côtés de chaque officier commandant, non seulement pour le surveiller, mais aussi pour lui souffler, entre guillemets, respectueusement, entre guillemets aussi, ce qu'il avait à faire lorsque la décision à prendre concernait les équilibres du pouvoir en place, c'est-à-dire celui de la prédominance du DRS. Mais tout cela n'est qu'une des facettes de cette trame, de cette force sourde dont les nervis et les collaborateurs étaient 10 fois plus nombreux que ses propres membres et qui se nichait jusque dans les milieux censés être les plus libres et les plus sains de la nation, comme l'opposition, l'université ou la presse. Le DRS faisait la pluie et le beau temps, voire même la violence ou la paix, dont il détenait les leviers. Il gérait autant les journalistes qui devaient agiter les épouvantails sur un coup de fil que les islamistes de service qui s'ébranlaient pour aller égorger les pauvres gens quand l'humeur ou les sordides intérêts du moment le dictaient. Je passe sur les relations privilégiées que ce même DRS entretenait avec des services et des États étrangers, voire même avec des puissances occidentales qui en arrivèrent à un tel stade de collaboration avec lui qu'ils surent fermer les yeux sur des assassinats commis sur leurs propres ressortissants, sur ordre ou à cause du bricolage et de l'improvisation criminelle du même DRS. La raison d'État à bon dos, n'est-ce pas ? Le financement des campagnes électorales françaises et les généreux dons virés dans des comptes bancaires indécelables ont été très efficaces. C'est bien pour cela que le général Taufik peut se révéler très dangereux pour beaucoup de gens, à l'étranger notamment. Il détient des secrets qui peuvent faire exploser des gouvernements étrangers et il a de quoi s'inquiéter. Je dois m'arrêter là. Parce que s'il fallait tout dire sur le DRS, sur sa même mise sur le pouvoir en Algérie,
Il me faudrait lui consacrer une série d'ouvrages, encore, que je ne sais personnellement de lui, que la toute petite partie émergée de son immense réalité. Personne n'imaginait donc que ce DRS pouvait être démantelé un jour. Or, cela s'est produit presque dans l'indifférence la plus totale, comme s'il ne s'était rien passé, hormis quelques réactions offusquées de quelques nervis, de quelques journalistes qui n'avaient pas encore compris que leurs maîtres avaient trépassé politiquement, le reste de la population plongé dans une profonde léthargie et qui ne réagit de toute façon à plus rien, qui est là à faire des bulles pendant que son pays fonce droit au mur, n'a même pas compris qu'une phase historique de très grande intensité, un gros bouleversement des forces en présence, un réaménagement surréaliste venait d'avoir lieu en très peu de temps, sans provoquer le plus petit frémissement dans un environnement politique que nous pensions particulièrement houleux. Ce qui aurait dû, en toute logique, entraîner une grosse déflagration, voire même un coup d'État, ou à Dieu ne plaise, une guerre de clans par population interposée, n'a pas eu l'honneur des unes, même pas les unes des journaux, comme si de rien n'était. Et donc, normalement, s'il n'y avait pas eu une multitude de « si » et de « mais », nous devrions nous réjouir, battre des mains, danser une farandole, faire la fête et pousser du you-you. Le DRS a été laminé, passé au pilon, réduit en poussière, passé, ressassé, sassé, puis soufflé aux quatre vents. La maison de l'ogre est devenue une carcasse désolée, vidée de ses ogres voraces, aux vitres cassées, où s'entasse déjà la poussière des jours. Elle n'est plus hantée que de celui qui se faisait appeler Arab Zahir, celui qui fut le redoutable grand boss de cet antre obscur. Il n'y a plus que lui, et autour de lui, un dernier carré, non pas de fidèles, mais de gens dont la mission est de le surveiller de très près. On dit qu'il est très malade, qu'il aurait négocié un gros parachute doré et des garanties qu'il ne serait jamais poursuivi pour crime contre l'humanité. Il ne faut pas oublier non plus que sans lui, sans sa collaboration active, jamais le DRS n'aurait pu être démantelé. Il n'a pas eu le choix. Il lui a été enjoint par des forces supranationales de collaborer avec ceux qui allaient raser sa forteresse. Les jeunes loups du DRS qui s'agitaient à ses flancs et qui semblaient vouloir le bouter hors de sa position de mâle dominant ont fini de le convaincre d'entrer dans le jeu. Nous devrions donc, je le disais, nous réjouir que ce DRS qui nous a fait tant de mal ait enfin été terrassé. Nous devrions hisser celui ou ceux qui y sont parvenus au fait de la gloire et de la reconnaissance de toute la nation. Mais, il y a plein de mais. Cela aurait été méritoire, en effet, si cela avait été ainsi mené au pas de charge, dans le but de débarrasser la nation des sangsues qui lui suçaient les sangs et la vider de ses substances vives. Ce n'est pas le cas. Ce qui a été infligé au DRS ne l'a pas été pour le bien du pays. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est juste une vaste reconfiguration de la maison de l'ogre. Un clou en a chassé un autre. Et précision de taille, le président Bouteflika n'a rien à voir dans ce chamboulement. Il n'a rien à voir. Le pauvre est totalement débranché, la plupart du temps plongé dans un coma artificiel pour le garder le plus longtemps en vie, le temps de lui trouver une alternative. Les titres à la une qui affirment qu'il est l'artisan de ces grandes manœuvres sont des farces. Mais les Algériens ont appris à tout avaler, jusqu'à croire qu'un homme qui n'est même plus capable de réciter la table de multiplication de 2, que les caméras ne peuvent même plus montrer en gros plan parce qu'il ne peut même plus déglutir sa salive, puisse mener de telles batailles et les gagner. Le récent lavage à grand taux
au cœur même des cercles les plus proches du noyau décisionnel du régime, et qui s'est soldé par le limogeage de Belkhadem puis de 13 autres barons, y compris des généraux de premier plan, que la presse, des pseudo-analystes politiques et même des personnalités politiques algériennes attribuent au président Bouteflika, relèvent tout autant des mêmes cercles qui ont démantelé le DRS, c'est-à-dire un petit noyau de grands décideurs, dont le frère cadet, du président et du grand boss de l'armée. Ces deux hommes sont devenus les vrais maîtres du pays, par procuration, et autour d'eux une soixantaine de généraux, dans le deuxième cercle de ce même noyau dur, des forces d'argent, des clientèles et des parentèles en tout genre, qui brassent des dizaines de milliards de dollars dans le bazar à ciel ouvert qu'est devenu l'Algérie. Mais au-dessus de tout ce beau monde, invisible et imperceptible, une force étrangère est là, à l'affût du moindre frémissement. C'est elle, à travers ses réseaux, ses lobbies et ses agents, qui donne le « là », qui, mine de rien, sur un simple regard, un claquement de doigts, montre la direction à suivre, qui sait envoyer de vrais signaux, et que tout le sérail craint plus que personne, parce que cette force dispose de moyens de pression autrement plus persuasifs, autrement plus dissuasifs qu'on puisse l'imaginer. Et ainsi, pendant que les Algériens continuent de dormir du sommeil du juste, les grands chamboulements sont en marche. Ils se préparent de grands changements. Tous ceux au cœur du régime qui ont manifesté la plus petite hésitation vont être renvoyés à leur foyer. Une purge qui restera mémorable. Ceux qui sont à la périphérie des cercles décisionnels et qui disposent de capacités de nuisance vont les remplacer. Nous allons bientôt entendre les trois coups de brigadier. Les nouveaux acteurs, que dis-je, les nouveaux maîtres vont bientôt entrer en scène. Et les spectateurs, ceux qui rasent les murs de leur propre pays, nous tous, vont applaudir à tout rompre comme d'habitude. Aujourd'hui, TSA, Bouteflika limoge des conseillers et des généraux, Al-Watan, le général Touati, dernier opposant militaire officiel, entre guillemets, s'en va. C'est incroyable ce titre. Touati est devenu le dernier opposant militaire officiel. Algérie focus. Algérie, entre guillemets, les 13 salopards écartés par Bouteflika. Il y a des titres, mais alors. Avec nous aujourd'hui, Sofiane Gilali. Je rappelle que la présence de certains invités qui sont plus présents que d'autres dans ces émissions n'est pas due à notre seul choix, mais à celui de téléspectateurs qui les demandent. Si Sofiane Gilali, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, M. Bachelot. Merci. Alors, Sofiane Gilali, est-ce que vous qui êtes à Alger, est-ce qu'il n'y a pas comme un air de changement, comme un orage qui s'annonce? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le climat, ce climat lourd qui pèse sur Alger? Oui, absolument, vous le décrivez si bien. Il y a un climat très lourd, il y a une tension, les gens sont sur les nerfs, sans toujours bien comprendre pour quelles raisons vraiment. Mais cette rentrée-là ne s'annonce pas avec... avec la Zorna. Mais apparemment, les Algériens devront maintenant commencer à payer une facture très lourde, celle du quatrième mandat qui a été imposé avec un homme totalement incapable et invalide et handicapé qui ne peut pas gérer le pays. Et nul ne sait maintenant vraiment qui est derrière toutes ces mesures, qui est derrière la prise de décision, qui est derrière l'orientation du pays. Il y a de quoi être inquiet et d'en avoir peur. Mais Sofiane Gilali, à écouter les journalistes,
les journalistes les plus connus du pays, dans les plus grands journaux du pays, les télévisions privées, à écouter les analystes politiques, à écouter les chefs de parti, à écouter les officiels. C'est Bouteflika Abdelaziz qui est en train de prendre toutes ces décisions. Je ne pense pas que c'est un raccourci. Je crois que les Algériens ont très bien compris que le président n'est plus qu'un mot, en fait. On aurait pu avoir encore maintenant intronisé Ouali Boumedienne, pourquoi pas, on a son portrait dans tous les bureaux, mais il n'est plus en situation d'agir, absolument pas. Les gens n'ont pas le moyen de décrire ce qui se passe à l'intérieur du pouvoir, ne peuvent pas donner un nom, ils n'ont pas de visage à proposer. Donc, de façon plus rapide, on dit le président ou M. Bouteflika, mais tout le monde sait qu'il ne s'agit plus à ce point. Le pays est en très grave danger. La clique qui a imposé le quatrième mandat envers et contre tout l'a fait dans un objectif indéterminé. Il le savait, il était conscient que le président ne pouvait en aucune façon assumer la situation, mais ils ont poussé le pays à cela et les malheurs qui risquent de s'abattre sur le pays, ils en seront à l'origine et ils devront être jugés au moins politiquement pour cela, tous ceux qui applaudissaient au quatrième mandat et à la hausse d'Arabia. Soufiane Djilali, ce limogeage fracassant de Belkhadem et ses grandes manœuvres de lessive à grand eau au sein même des cercles les plus proches du pouvoir, selon vous, à quoi ils sont destinés? Écoutez, je pense que nous sommes très proches d'un dénouement, je ne sais pas lequel, mais le pouvoir est entré dans une forme d'hyperactivisme à l'intérieur. Le limogeage de cette façon, de cette violence de M. Belkhadem, qui était l'un des plus proches soutiens du président pendant 15 ans, qui a soutenu le quatrième mandat, qui a été à chaque fois humilié, mais qui est revenu repentant à chaque fois. Je pense qu'il annonce d'autres départs, d'autres sanctions, d'autres punitions pour d'autres ailés qui ont peut-être compris que M. Bouteflika étant fini, que la course était ouverte à la succession. Et je pense que c'est cela qui détermine la suite. C'est que maintenant, tous les clans à l'intérieur qui se divisent, qui se chamaillent autour de la rente, autour du pouvoir, vont chacun sortir ses armes. Et chacun voudra placer son poulain ou son homme fort comme successeur. Et c'est là où il y a de très graves risques pour le pays. D'autant plus, comme vous le décriviez, s'il n'y a plus d'institutions régulatrices, s'il n'y a plus de contrôle, s'il n'y a plus une institution qui arrive à imposer une volonté institutionnelle et non pas d'un clan, alors le risque est démultiplié. Et là, on a bien peur que même l'armée se trouve dans une situation critique où elle a perdu non seulement de sa force, de sa capacité à intervenir, mais elle a perdu toute volonté apparemment, puisque les hommes qui la dirigent ne semblent plus intéressés que par eux-mêmes, par leur personne, par le pouvoir, et ne sont plus intéressés par le serment qui, pour beaucoup d'entre eux, avait fait pour la patrie, pour la mémoire des 1,5 million de martyrs. Je pense que tout cela est oublié. Il n'y a plus tellement de nation, il n'y a plus de patriotisme, il n'y a plus que le gain et la course au pouvoir. Et vous ne pensez pas que la gravité de la situation, qui donne des signes évidents, hein, de grands bouleversements, vous ne pensez pas que des hommes d'honneur pourraient surgir du sein de cette armée pour mettre le holà à cette grande dérive, à cette débâcle? Eh bien, écoutez, je pense que ces hommes d'honneur, ces patriotes, ceux qui font que le matin de l'eau coule dans votre robinet et qu'il y ait de l'électricité le soir avant de pour regarder l'émission télé de Al-Magharibia, eh bien, je pense que ces hommes d'honneur-là devraient se secouer. Ils s'en trouvent dans toutes les institutions ou ce qui reste des institutions, mais très probablement il en reste au niveau de l'armée. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il doit y avoir quelque chose
pour dire non à la trahison de l'Algérie, arrête cette hémorragie effroyable de ses moyens, de ses richesses, de cette usurpation de souveraineté populaire. Je pense que c'est le moment, il y a des patriotes dans la classe politique, dans tous les courants, il y a des patriotes partout dans le pays. C'est à eux aujourd'hui qui doivent répondre à ce besoin ultime du pays. C'est cet appel-là qui doit être entendu par les cœurs maintenant. Il n'y a plus de politique politicienne à faire, il n'y a plus d'élections ou de pseudo-élections à opérer. Il y a réellement ce sursaut salvateur dont on a besoin. Et Sven Gilali, cette réaction, cette absence de réaction, non seulement de la société civile, comme on l'appelle, comme ça, avec ce terme tellement galvaudé, mais aussi de tout le peuple algérien, de toute la population, de toute la société. Cette absence de réaction totale, comme si personne n'était concerné. À quoi c'est dû, selon vous? Seulement à cette anesthésie générale prodiguée par le pouvoir, par le biais de cet argent massif qu'il injecte dans toutes les couches sociales? Ou est-ce du désespoir? Est-ce de la résignation? Qu'est-ce que c'est, en fait, cette absence incroyable, ahurissante, oui, irresponsable de réaction d'un peu tout le monde? C'est tout à la fois. C'est d'abord de très longues années de terrorisme qui ont mis à bas le moral des Algériens, qui ont détruit beaucoup de choses et qui est là comme un traumatisme très profond et qui génère par ailleurs de la violence quotidienne partout dans le pays. Mais c'est un élément très important. Deuxièmement, il y a eu 15 années d'anesthésie par la rente pétrolière où beaucoup d'argent a été distribué et surtout beaucoup, beaucoup de corruption. Ensuite, il y a eu ces révolutions malheureuses autour de nous et les troubles qui en ont suivi en Syrie, en Égypte, un peu moins en Tunisie, heureusement, mais beaucoup en Libye, dans le Sud. Cela renforce le traumatisme des années de violence dans le pays. Et puis, rajouter à cela l'absence pratiquement de structures qui socialisent les Algériens. Depuis 15 ans, M. Bouteflika a détruit tous les contre-pouvoirs et détruit tous les partis politiques ou associations qui auraient pu réunir, rassembler les Algériens, leur apprendre à travailler ensemble. Malheureusement, tout cela n'existe plus. Donc l'Algérien aujourd'hui est perdu, il est sans référent. Il ne sait pas où aller, même s'il ne veut plus rester là où il est. Il sait que la vie est devenue extrêmement compliquée. Le désordre ambiant est partout. La vie est devenue très pénible. Les relations entre les gens sont difficiles. Les tensions sont là. Mais que voulez-vous qu'il fasse? Personne ne lui donne de recette. Et vous ne pouvez pas attendre que le Mehdi Montadar descende. Un parti politique, ça s'organise sur plusieurs années. Il faut des moyens, il faut de la formation. Ce n'est pas un simple discours qui peut être donné par-ci, par-là, qui peut mobiliser autant. Il faut recréer la confiance, il faut reconstruire une vision de l'avenir de l'Algérien. L'Algérien a été totalement déboussolé. Donc il est conscient. J'ai donné l'autre fois l'exemple de la grenouille qui est dans l'eau et qu'on chauffe très progressivement. Et puis au moment où elle s'aperçoit que l'eau est devenue trop chaude, et bien elle est déjà cuite à moitié et elle ne peut plus bouger. Oui. L'Algérie, depuis 15 ans, a été mise sur le feu et on est en train de, petit à petit, nous cuire vivants. Alors, à un moment, bien sûr, beaucoup perdent espoir. Ils ne peuvent plus réagir. D'autres ont quelques petits intérêts à garder. Chacun est dans son monde à lui et nous avons oublié la dimension collective. Ce qui a été le drame depuis des siècles pour l'Algérie, qui avait mené à la colonisation, eh bien, nous sommes en train de le revivre, c'est-à-dire une nation dispersée, une population qui ne comprend pas les enjeux, qui ne veut pas se donner les moyens de construire. Elle est là pour consommer. On lui a dit que tu as les crédits bancaires, tu peux acheter la voiture, tu peux te promener, mais en fait, on achète la voiture pour rester dans les encombrements infinis dans la capitale, par exemple. Donc, il n'y a plus de travail, les gens n'ont plus d'horizon.
il n'y a plus rien à faire que de prendre la barque et de faire la harga pour les jeunes. Le pays est dans une situation dramatique et M. Bouteflika, mais tout le système qui nous a mené à cela, en sont totalement responsables. Je ne veux pas leur mettre sur le dos n'importe quel comportement, mais un peuple, ça s'éduque, ça doit se former, on doit s'en occuper, on doit les instruire, on doit les soigner convenablement, on doit leur montrer la bonne voie, on doit leur inculquer l'esprit civique, on doit leur dire qu'est-ce que c'est le sens des responsabilités. Aujourd'hui, l'Algérien n'est plus responsable de rien. M. Bouteflika est irresponsable face à 40 millions d'Algériens, mais aussi l'agent d'administration est irresponsable, et souvent même le policier est irresponsable, etc. Savez-vous maintenant, on l'a vu, la justice, elle condamne celui qui dénonce le voleur et elle le met en prison. C'est quand même insensé. M. Chakib Khalil est protégé pour aller vivre ailleurs après avoir raflé des centaines de millions de dollars, et le jeune sur la rue, il est tabassé et pris en prison. Vous savez, vous faites une petite infraction au code dans ce désordre général et vous vous retrouvez 2 mois sans permis, en train de courir partout parce qu'on vous inflige une sanction qui peut-être vous empêche de nourrir votre famille quand vous êtes un chauffeur ou un chauffeur de taxi. Donc le monde s'est inversé. La vie en Algérie est devenue impossible parce qu'on a un invalide sur une chaise roulante à la tête de l'État, alors qu'on aurait dû avoir un homme valide, compétent et patriote, capable d'aimer son peuple et de vouloir le sortir de l'ornière d'où il est et l'entraîner vers son avenir, et non pas un clan soucieux de ses intérêts, continuellement en train de voler le pays, de le manger vivant et d'attendre la fin désastreuse pour tout le monde. Sofiane Djilali, merci infiniment. Comme à votre habitude, vous finissez sur des mots très forts que nous partageons. Merci pour votre fidélité. Salam alaikum. Azul fillahoun. Qawala khair.